Alors la partie C de ce problème 2010. En fait, pour la partie C, on peut s'inspirer de la partie B. Hein? La première question de la partie B ici, on a vu combien de groupes il était possible de former, combien de groupes de 3 élèves parmi ces 20 que l'on a, il est possible de former. Alors si je reviens juste là-dessus, je l'avais dit, on peut choisir les élèves ou pas les choisir dans un groupe. D'accord. Donc on commence avec l'élève 1. L'élève 1. Et puis on peut le choisir ou ne pas le choisir. Et puis après on prend le deuxième élève. Et puis on peut le choisir ou ne pas le choisir. Former des groupes, d'accord, etc. Ça jusqu'à l'élève 20, et puis l'élève 20, on peut le choisir ou pas le choisir. Et ça va nous donner un arbre avec toutes les possibilités de choisir les élèves. Mais pas choisir, pas seulement choisir 3, en choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. Donc on va avoir un arbre immense, d'accord, avec un grand nombre de possibilités. Parmi toutes les branches de cet arbre, il y en a plusieurs, on a un certain nombre, dans lesquels il y a exactement 3 élèves. D'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S. Non. Donc il y a plusieurs branches avec exactement 3 élèves. Et puis on a vu que pour trouver, donc dans un cas comme ça, où on a à chaque fois 2 possibilités. Pour trouver le nombre de possibilités, eh bien, on peut utiliser ce fameux nombre. Et donc ici, dans notre cas, le nombre de possibilités de former des groupes de 3 élèves, donc où on a choisi 3 élèves, donc où on a quelque chose comme ça. Donc ici, on en a 3 qui sont choisis et donc 17 qui ne sont pas choisis. Ça, c'est un cas possible. Il y en a un certain nombre de ces cas possibles parce qu'on peut après permuter. Ça, donc là, ce serait les élèves, on choisit les élèves 1, 2 et 3. Mais on pourrait dire qu'on choisit les élèves 1, 2 et puis ensuite l'élève numéro 20, etc. Donc, on ne peut pas les énumérer. Si on voulait faire la liste, ça prendrait un certain temps, puisqu'on a vu hier que, en fait, il y a ces 320 possibilités de choisir 3 élèves parmi, 20, parmi ces 20 que l'on a. Et puis ça donne 1140. C'était pour le comment choisir 3 élèves parmi les 20 que l'on a. Donc il y a 1140 possibilités d'en choisir 3. Donc d'avoir 3 groupes, des groupes différents. D'accord. Et donc maintenant, si je reviens à la partie C, donc c'est toujours un peu le même principe. Le prof, il choisit 3 élèves, cette fois-ci pas pour faire la photo, mais pour ranger la salle. Donc l'idée est la même. Il en choisit 3, mais cette fois-ci, on s'intéresse seulement au groupe de 3 élèves dans lesquels il y a Philomène. Donc Philomène, c'est une élève de la classe. On nous dit qu'il n'y a pas 2 Philomènes dans la classe. C'est pour simplifier un peu la chose. C'est un nom assez rare, donc c'est très peu probable d'avoir, pour faire des probabilités encore, d'avoir 2 Philomènes dans une classe. C'est comme Brice, c'est très peu probable d'avoir 2 Brice dans une même classe. Cette année, j'ai un Brice dans une de mes classes. Donc ça arrive. Si, si. Ça veut dire quoi? On peut refaire notre arbre un petit peu différemment en se disant la première personne qui choisit, c'est Philomène. D'accord? Donc, le premier élève, l'élève numéro 1 ici, c'est Philomène. Et puis, ben, soit il choisit Philomène, soit il choisit pas Philomène.
Et puis après, il va continuer de la même manière, le prof, avec les autres élèves. Donc, il choisit ou il choisit pas le troisième, le deuxième élève, il choisit ou il choisit pas le troisième élève, etc. Jusqu'au 20e élève. Il le choisit ou il le choisit pas. Donc, on sait en tout cas que toute la partie de l'arbre qui va se trouver ici en bas, elle ne nous intéresse pas puisque c'est toutes les possibilités où il n'a pas choisi Philomène. Puis nous, on veut savoir la probabilité, donc la probabilité, on y reviendra après, mais on voudrait bien connaître le nombre de possibilités qu'il a de choisir Philomène. Ça veut dire que on se restreint maintenant à cette partie-là de l'arbre. Et dans cette partie-là de l'arbre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit choisir exactement deux élèves. Il y a déjà Philomène. Il doit en choisir exactement deux parmi 19 maintenant, puisqu'il ne reste plus que 19. Il a choisi Philomène, donc il ne reste plus que 19 élèves. Donc, le nombre de possibilités qu'il a de choisir deux élèves parmi les 19 qui restent, c'est égal à je sais pas parce que j'ai plus le nombre en tête. C'était bien ça. 171. Donc, il y a 171 possibilités. Il y a 171 groupes différents dans lesquels il y a Philomène. Et en tout, de 3 personnes, d'accord? Et en tout, si je résume, 171 groupes de 3 élèves avec Philomène. Et en tout, on peut former 1140 groupes de 3 élèves. Donc on a une probabilité. Choisit 3 élèves au hasard, si le prof il choisit 3 élèves au hasard, il a une probabilité de 171 sur 1140 d'avoir un groupe avec Philomène. J'ai posé la même question hier et j'ai pas su répondre. Oui, justement. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est. A priori, non. A priori, non. Donc ça fait 0,15. Donc, la probabilité de choisir Philomène donc la probabilité de ne pas choisir Philomène c'est ce qui reste. De compléter 0,1. C'est pas une division ici, c'est
Ça, comme ça va pas être très clair. Probabilité de ne pas choisir Philomène, c'est 0,85. Donne l'information supplémentaire que les journées thématiques durent 5 jours au collège 5-3, c'est que 3. Cinq jours, on nous pose différentes questions quant à la probabilité de choisir ou de ne pas choisir Philomène. Puis la première, on nous dit quelle est la probabilité qu'elle soit jamais choisie. Donc, on est ici dans un cas de Bernoulli. Puisque chaque jour, on a le même scénario, et chaque jour, on a la même probabilité que Philomène ait été choisi ou n'ait pas été choisi. Ça veut dire qu'on peut utiliser Bernoulli. Donc la probabilité de choisir, je vais mettre 0 fois, ça va être égal. 5. On a un premier jour, on ne la choisit pas. Deuxième jour, on ne la choisit pas. Troisième jour, on ne la choisit pas. Quatrième jour, on ne la choisit pas. Et cinquième jour, on ne la choisit pas dans l'arbre avec toutes les possibilités. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Donc, une seule branche dans notre arbre des possibilités où on ne choisit pas Philomène. Donc on aura 0,85 fois 0,85 fois 0,85 fois 0,85 fois 0,85 fois 0,85 à la puissance 5. Et puis ça donne un chiffre. Je vous laisse calculer. Si vous voulez appliquer plus rigoureusement la formule que vous connaissez, c'est C5,5. La probabilité qu'on la choisisse pas 5 fois fois la probabilité qu'on la choisisse à la puissance, qu'on la choisisse, pardon, à la puissance 0. Sur les 5 fois 0,15 à la puissance 1, donc la probabilité qu'elle soit choisie une fois, et puis fois 0,85 à la puissance 4, donc la probabilité qu'elle soit pas choisie 4 fois. Dans ce cas-là, elle aurait été choisie exactement une fois, soit le premier jour, soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième, soit le cinquième. Au passage, c'est 1,5. Ça devrait être 5, non? Voyons cela. 1. Hop là. 5. Pour montrer qu'on n'a pas toujours besoin de calculer certaines choses, on peut aussi les déduire. Dans ce cas-là, on peut dire 0 fois Philomène, on sait qu'il n'y a forcément qu'une seule possibilité. Et puis dans ce cas-là, la choisir exactement une fois, on sait qu'on va avoir 5 branches possibles dans l'arbre, puisqu'on va soit la choisir le premier jour, soit le deuxième jour, soit le troisième, soit le quatrième, soit le cinquième. Donc il y aura 5 branches dans l'arbre, avec une fois Philomène. Alors oui, on peut faire le calcul, mais on peut aussi en déduire la valeur de ce nombre par raisonnement.
puis le troisième, c'était quelle est la probabilité deux fois Philomène, c'est-à-dire la choisir une fois, pardon, la choisir deux fois, ou la choisir trois fois, ou la choisir quatre fois, ou la choisir cinq fois. Et puis là, quand vous êtes assis devant votre feuille au bac, et puis vous voyez ça, alors vous avez deux possibilités. Une expérience de Bernoulli, un choix ou l'autre. Soit vous vous dites, le prof c'est un vrai salaud, comment est-ce qu'il peut nous demander de faire quatre calculs encore comme ça, on vient déjà d'en faire deux, il exagère, je le déteste. Ou alors vous vous dites, ah, il a sûrement pensé à quelque chose, il a une idée derrière la tête, il n'est pas si salaud que ça. Et en fait, c'est la deuxième possibilité qui est correcte. Là, vous pourriez faire alors C2,5, etc., plus C3,5, etc., plus C4,5, etc., plus C5,5, etc. Et puis, si vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous devriez vous en sortir, ça prendra un peu plus de temps. Ou alors, vous pouvez vous dire, ah mais, attendez. La probabilité de choisir 0 fois Philomène, plus la probabilité de choisir 1 fois Philomène, plus, etc., plus la probabilité de choisir 5 fois Philomène, ça devrait donner 1, puisque c'est toutes les possibilités que l'on a. Soit ça choisit 0 fois, soit 1 fois, soit 2 fois, soit 3 fois, soit 5 fois, etc., jusqu'à 5 fois. Ça veut dire que... de la choisir 5 fois, c'est égal à 1. Ça veut dire que ça, c'est égal à 1 moins la probabilité de la choisir 0 fois moins, si je mets les parenthèses, plus la probabilité de la choisir une fois. C'est ce qu'on appelle des événements les événements se complètent ici. Vous voulez choisir Philomène 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois, c'est le contraire de la choisir 0 fois ou 1 fois. Les deux se complètent. Et puis, ça et ça, ça c'est ce que vous avez calculé en 1 et ça c'est ce que vous avez calculé en 2. Donc en fait, le calcul, il est très rapide. C'est 1 moins la probabilité qui a été calculée en 1 moins la probabilité qui a été calculée.